Eh bien maintenant, on va venir renseigner ce qu'il nous reste à renseigner là-dessus, c'est-à-dire à mettre les dimensions. Voilà. Échappe, là, voilà. Donc je vais venir renseigner la longueur, là. Donc je me mets sur l'onglet. Toujours, attention à, sur le calque, attention à ça, hein. Pensez bien à vos calques, hein, à vous mettre sur le bon calque. Ça, c'est le piège d'AutoCAD, hein. Donc, je vais faire côté. Donc, je cote d'ici à ici. J'ai 8 mètres. Voilà. Il me reste à côté, donc, ici. D'ici à ici. Voilà la côte, 7 mètres. Alors après, ce que je vais faire, là, il me reste là à côté, c'est coquin parce que c'est une polyligne. Alors je vais pas m'agacer, je vais y aller avec des marques. Donc je vais refaire ici marque, M-A-R-Q-U-E-S, je clique. Donc je le mets actif. Hein. Donc à partir de là, je vais le mettre assez. Pardon, il faut que je puisse voir ce que je fais. Donc je vais venir. Alors que se passe-t-il? Faire un point ici, un point quelque part par là, un point ici, et maintenant je vais coter. Voilà, donc en cotant, alors là, comme il est en train de m'embêter avec. Voilà. Avec l'accrochage, j'ai enlevé l'accrochage. Et, ah oui, mais là, je vais être très embêté. Je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer, en fait, comment on va passer enfin, à faire de la cotation linéaire. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'il ne s'accroche, ah, il s'accroche à la grille. Voilà. Donc là, en fait, eh bien, il s'accroche toujours à quelque chose que je ne souhaite pas avoir accroché. Point 90, ce n'est pas ce que je veux. Donc ça, je vais le virer. Hop. Et à ce moment-là, je vais refaire, à ce moment-là, une ligne qui va venir. Alors là, par contre, je vais m'accrocher à l'extrémité. Hein, c'est toute la gymnastique d'AutoCAD, je viens m'accrocher ici, je fais ça, hop, je vais faire décaler, décaler ici, et même décaler d'un mètre, donc je fais entrée, je vais sélectionner cet objet, je le décale ici, je viens sélectionner ici, je décale en bas, hein, là, voilà. Lorsque je fais ça, je vais pouvoir être plus à l'aise. Échappe. Donc je reviens voir ma cotation, je suis sur mon calque quota, pas de souci. Et je vais donc coter d'ici à ici. Et là, j'ai pas de souci. Je peux coter un mètre. Et je peux faire donc avec insertion cotation. Mes cotations que j'avais tout à l'heure. Non, pas cérébro, annoté, pardon. Annoté, donc. Mais continuer, voilà. Donc je vais venir jusqu'ici pour avoir un mètre et j'échappe. Voilà. Ah, vous voyez que c'est pas toujours facile, hein, voilà, c'est beaucoup de toucher, beaucoup d'habitude, hein. Faut pas s'énerver, faites des pauses quand vous en avez un peu marre, hein.